Alors, il a dit poderoso. And so the Tiguan gave halt to the Khodesh Rufi is that of Luta Admintella Sugotios wrapped to this Valverte. Chacun moi. Wing. Plus dans les aigus maintenant. Ah, j'ai mal. Douloureux? Oui. Je vais maintenant travailler un petit peu sur votre logiciel et sur le mien pour personnaliser un peu le réglage. Et puis après, on va voir. Vous allez me dire. Mais j'ai rien entendu en aigu alors? Non, il n'y a pas d'aigu. Il n'y a pas d'aigu? On est tout de suite sur le seuil de douleur. Mais vous êtes à 90 décibels de perte moyenne. C'est ça qui est aussi intéressant, enfin même que moi je puisse en avoir conscience, parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on a une prothèse, on récupère une oreille, alors que moi je n'ai plus que 20%, et avec ces 20% là, il faut essayer de dimensionner les 20%. Quoi. Quand on arrive, mais ça fera jamais un 80% de toute manière, ça fera un 25%, quand on arrive, un 27%. Si on peut arriver à même 40-45 avec prothèse auditive, on est content, bien sûr. D'accord. Okay. Bah, d'où la lecture sur les lèvres et puis le système de communication, dès que c'est un peu plus compliqué. D'accord. Alors en fait, ça se présente comme ça. Il y a une antenne qui est collée sur le crâne, là, qui est aimantée. Et à l'intérieur du crâne, ici, il y a une intervention et qui fait qu'il y a eu le processeur qui a été mis là. Donc voilà, quand j'en enlève là, j'entends plus rien de ce côté-là. Donc je m'entends d'une drôle de voix d'ailleurs, là, de ce côté-ci. Alors si j'enlève l'autre côté, donc là c'est la prothèse auditive, ça a encore baissé d'un cran, je mesure à chaque fois tout, boum, boum, boum. Et là si on veut continuer l'entretien dans les mêmes positions que j'étais tout à l'heure, je pense que ça va être difficile. Parce que là tu entends quand même, tu distingues la voix? Alors j'ai entendu quand même, mais j'ai pas entendu le reste. Je dis tu distingues ma voix, donc. Je? Tu distingues. Distingue. Ouais, ma voix. J'ai des sons, j'ai des bruits, mais j'ai pas de compréhension. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Allez-vous? Ça va, ça va. Excusez-moi, hein. C'est toujours la technique. Je m'en mets pas dans les fils. Ça y est, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a notre réunion hebdomadaire. Je voulais qu'on aborde tout de suite l'appartement tremplin pour le SAVS. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ce projet, l'état des lieux, où est-ce qu'on en est? C'est la personne de l'agence immobilière donc, qui a tout noté sur sa tablette. Le handicap est atténué grâce à l'implant. Mais ce n'est pas une oreille... classique, c'est forcément, ça reste des aides techniques. Tout ce que je peux avoir comme aide, vous m'avez vu avec mes micros en réunion, forcément ça me fait gagner en fatigue. Le fait que les gens s'expriment avec un micro, j'ai moins d'efforts de concentration. Le fait d'avoir ce dispositif pour le téléphone, ça permet de recevoir dans les deux oreilles et non de choisir une oreille ou l'autre pour pouvoir téléphoner. Donc ça me donne des conforts, mais ça reste quand même limite. La technique ne remplacera jamais une oreille normale, jamais. Le but, c'est vraiment de mesurer les capacités et de consolider les acquis pour que cet accompagnement, après, avec un service d'accompagnement à la vie sociale, la tienne dans la durée. Donc, c'est un contrat de confiance qu'on a avec eux sur leur temps d'absence, qu'ils nous préviennent. Ils ont le droit d'inviter du monde, du coup
Oui, mais oui. Avec des horaires à respecter le soir. C'est vrai que lorsqu'on prend des responsabilités, il faut être aussi très disponible, aller à des réunions, rencontrer des gens, avoir des moments où on est dans des situations informelles. Alors là, c'est compliqué, parce que là, par contre, s'il n'y a pas d'accessibilité, le handicap revient à travers la figure, quoi. Combien de fois je me suis dit devant des tiers, ils vont penser que je suis fière, ils vont penser que je n'ai pas de culture, ils vont penser que je suis distante, et tout simplement c'est que je ne sais même pas, je ne comprends même pas de quoi ils parlent. Donc je ne peux pas soutenir une conversation. Parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils oublient. Bah oui, quand ce sont par exemple des assemblées générales, des choses comme ça, tout le monde n'est pas forcément au courant, et puis on va pas aller, je vais pas aller leur dire, s'il vous plaît monsieur, je suis malentendante, est-ce que vous voulez bien me parler en regardant en face? Surtout, si je comprends pas, je vais vous demander de trouver un synonyme. Non, on peut pas faire ça, parce que ça limite l'inclusion, l'intégration aussi. Et puis, bon, en même temps, il faut aussi accepter que ce handicap, il est là, et je peux pas tout vivre comme les autres. C'est comme ça, il y a des deuils à faire. Aller voir des comiques par exemple dans un spectacle, ben, j'ai renoncé parce que combien de fois j'ai tapé sur l'épaule de mon mari, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, j'attends la fin de la phrase, je te dirai après, mais c'est frustrant. Donc ben, il faut savoir dans ce moment-là ben, dire bon, ben, ça c'est plus pour moi, je peux pas le vivre. Mais il y a toujours des gens qui vont pas comprendre, dans ce cas-là, ben, je les ignore aussi parce que on peut pas être pote avec tout le monde. Donc ben, on finit par sélectionner. Mais c'est vrai que la sélection, je l'ai fait. Mon meilleur ami, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en formation professionnelle et qui est devenu mon meilleur ami. Puisqu'un jour, je lui ai dit, François, je mange en face de vous ce midi. Parce que c'est vraiment la seule personne avec une belle voix grave de baryton. Là. Ah, c'est super, je pouvais continuer à manger. Il pouvait parler, je comprenais quand même. Et du coup, on est devenu, c'est mon meilleur ami depuis, quoi. Voilà. Mon mari, il a très vite pris conscience de ce que je pouvais comprendre et ce que je ne pouvais pas comprendre. Et donc, à la maison, quand je suis à l'étage, il sait très bien que s'il veut me parler, il faut qu'il vienne au moins jusqu'à le début des escaliers pour que je l'entende. Mes filles, c'est différent parce que j'étais déjà malentendante quand j'ai eu mes enfants, puisque j'ai eu ma surdité vers 25 ans, et ma première fille, j'avais 33 ans, la deuxième 36. Donc, elles ont toujours vécu avec ça. Mais donc, très vite, elles ont intégré que j'étais malentendante, et quand elles ont des copains ou des copines qui viennent à la maison en disant je vous rappelle que ma mère est malentendante, évitez de faire des éclats de rire, des éclats de voix, des choses comme ça, parce que ça va la déranger, quoi. Donc, elles ont intégré ça, oui, complètement. Je pense qu'elles sont aussi assez fières de mon parcours, de voir qu'avec ces difficultés, je mène ma vie, quoi. Je mène ma vie. Ma vie d'épouse, ma vie de maman, ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie associative aussi, puisque j'ai pris la présidence d'une association sur l'Orient par rapport à la surdité. Donc ça me permet d'aider des personnes qui sont sûrement moins bien loties que moi et qui ont moins de moyens de pouvoir avoir des aides techniques ou faire des démarches tout simplement pour avoir leurs propres droits. Il y a moyen de lui laisser un petit mot? Oui. Si il part pas pour 17h, moi je suis en entretien professionnel jusqu'à 17h, 17h15. Éventuellement s'il est encore là après, je le verrai bien. Quoi. D'accord, je lui envoie un mail. D'accord. Ça coûte cher. Bon, la prothèse auditive, là, elle coûtait 1690 euros. J'ai été remboursée 120 euros par la sécurité sociale et 600 euros par la mutuelle, 400 euros par la maison départementale de l'autonomie. Et maintenant, il faut que je fasse un dossier, ce qu'on appelle OETH, pour ma vie professionnelle, parce qu'elle me sert aussi à mon travail, pour encore avoir un financement. Donc, vous imaginez, pour toutes les personnes qui ne sont pas administratives, ce que ça représente, c'est un casse-tête. Il y a des gens qui ne sont pas appareillés à cause du coût, quoi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde va bien? Je travaille sur les petits cadeaux. Bonjour. Ça va, Gilles? Bonjour. Bonjour, Marianne. Bonjour, Nelly. Ça va? Oui. Ouais. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Ah. Yes, Claire. Bonjour, Nelly. J'ai dit comment parce que je dors là, je lis un petit peu, puis là, et quand je suis fatiguée, je suis réveillée. Bon.
Et là, c'est mieux avec les nouveaux médicaments, c'est mieux ? Oui, oui, oui. Bon, bah super. Bon, allez, c'est l'heure d'aller au repas. T'as vu, j'ai changé de pull. Bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, je me sens quand même, aujourd'hui, avec toutes les techniques que j'ai, je me sens privilégiée. C'est un vrai bonheur, du coup, pour moi, d'avoir pu continuer ma vie professionnelle, d'évoluer dans mon parcours professionnel, puisqu'en étant malentendante, j'ai passé d'abord un diplôme de chef de service, après un diplôme de direction, d'avoir été aussi reconnue par mes directions sur mes qualités professionnelles, malgré le handicap, ça, c'est des vrais bonheurs, c'est des vraies réussites dans la vie. Je pense que tous les handicaps n'ont pas forcément cette accessibilité-là qui leur permet de fonctionner comme ils fonctionnaient avant, même s'il y a des progrès dans tous les domaines. Donc oui, pour moi, oui, c'est un vrai bonheur.